Il n'y a rien de raffiné dans tout ça. Ta réponse est aussi prévisible que banale. Au revoir. Je peux accéder à la carte SIM que j'ai prise au vendeur d'armes et pirater les communications du pingouin. Le pingouin a mal digéré que la corde soit tombée à l'eau. Ouais, si j'étais impliqué là-dedans, je serais déjà loin de la ville. Alfred, je capte un signal des hommes du pingouin, mais il n'est associé à aucune fréquence sans fil connue. En effet, je le vois ici. On dirait que le pingouin gère son propre réseau sans fil à l'aide de transmetteurs sur des ordinateurs portables qui servent de bornes. Il donne les fréquences à ses hommes via une radio bi-bande. Il y a deux stations de ce type près de votre position. Bien, indiquez-les sur ma carte. Si je peux trouver ces talkie-walkie et les pirater, je pourrai repérer la position du pingouin. Je dois trouver la prochaine station de communication. Ensuite, je pourrai trouver la position du pingouin. Que de gêner notre livraison. Par exemple, sauver sa vie. Alors la prochaine fois, si tu veux raconter des conneries, trouve quelqu'un d'encore plus débile que toi. Oh, attends, c'est vrai. Il n'y a personne qui soit plus débile que toi. Monsieur Cobblepot, je vous jure que c'était Batman. Il a lâché Ricky depuis le toit de l'horloge en plein sous le sapin de Noël. Je me fous de savoir ce que tu crois avoir vu. Si tu n'es pas de retour avec mon fric dans les 10 minutes, je vais t'arracher les yeux. Comme ça, tu ne te soucieras plus de ce que tu vois. C'est compris ? Oui, monsieur Cobblepot. Désolé, monsieur Cobblepot. Thank you.
À toutes les unités, si vous êtes en 10-10, merci de signaler pour une éventuelle mission. Écoutez-moi tous, je sais que je devrais annuler les combats annuels du Polar Deck après ce qui s'est passé ce soir à Jezebel Plaza. Voilà. Mais pour vous montrer que je suis sympa, je n'annulerai rien.
Alors montez à bord tout de suite si ça vous intéresse. Est-ce que c'est clair? Le pingouin se cachait sur ce vieux navire. Étonnant qu'il soit difficile à trouver. C'est des snipers. Je vais devoir éliminer les snipers discrètement pour continuer. C'est qui le challenger cette année? Un certain Bouchinski. Ouais, je le connais. Un grand type avec une grande gueule, il se fait appeler. De m'énerver, ça suffit! Vas-y doucement, faut qu'on se calme. Thank you.
dangereux qu'un panier de chatons. Tu me fais pitié! C'est dangereux d'y aller tout seul. Et c'est nous les souris. Tu veux pas finir comme cet abruti. Pigez, il doit être tout prêt. Trouvez-le vite. Batman. J'en connais un qui a pris une batte pour un combat au couteau. Tu devrais être mort depuis...
tu m'as vu beaucoup en première. C'est pour ça que je regarde dans le coin. Dis-moi juste ce que... Sans oublier une femme de ménage pour nettoyer les dégâts. Et ne croyez pas que j'ai pas repéré que certains avaient osé parler sur eux-mêmes. Vous êtes nuls ou vous manquez de confiance. C'est pas des qualités appréciées. Je ferai le tri après le tournoi. Allez, mec, vous du matin de surveillance. Qui va passer à l'action? Le pingouin organise une sorte de tournoi. C'est là que je dois aller. Le pingouin l'a fait. Batman nous attaque! Sont appelés sur le pont 4. La salle des machines commence à prendre le rythme foncé et rapidement.